Ah, les aurores boréales, ça vous fait rêver, hein? Bah nous aussi, ça nous faisait rêver, c'est pour ça qu'on est parti en Islande. Et croyez-moi, on n'a pas été déçus du voyage. Bon, prendre l'avion pour aller traquer les aurores, c'est pas un pari qu'on gagne à tous les coups. Alors, on a avant tout choisi une destination qui nous attirait, mais aussi une période qui commence à être propice au phénomène tout en nous laissant assez de lumière du jour pour visiter. Pour voir des aurores, faut avoir un peu de chance. Mais il faut surtout s'intéresser à la physique du phénomène, apprendre à lire les prévisions qui vous permettront de mettre un maximum de chances de votre côté et ne pas hésiter à partir en virée au milieu de la nuit pour aller chercher un spot sans nuages et sans pollution lumineuse. Rapporter de l'image, c'est aussi plutôt sportif. Il faut savoir gérer les paramètres de ces appareils dans le noir en résistant à l'onglet. Il faut gérer le froid qui décharge des batteries et embrume les objectifs. Bref, de ce côté-là, nous, on est encore un peu léger, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout partager un peu de ces émotions qu'on a laissées sur les plages islandaises. Allez, on vous laisse profiter du spectacle. N'oubliez pas de sortir la tête de l'écran. La vraie vie, c'est maintenant. À plus!